Et c'est parti, on va se faire un petit trip d'Halloween. Layer of Fear. T'es dispo sur l'Epic Game. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. C'est sympa là. En bas de la cave, en une journée sombre d'orage, nos trois petits filous en profitèrent pour fuir en douce. La tranche des petits filous. Une muselière. On comprend pas. Laisse. Oh, je sais pas comment déporter. Le triomphe d'un artiste. Inauguration de la galerie ravie des critiques. Certains l'ont surnommé le nouveau. Monsieur, nous vous demandons d'arrêter d'importuner nos experts en dératisation ainsi que d'éviter que de nous envoyer des lettres déplacées. Je tiens aussi à dire que ma mère est une femme respectable et n'apprécie guère de telles accusations. Ouais. Tous les employés qui sont venus chez vous n'ont rapporté aucun signe d'invasion de rongeurs. C'est pourquoi ils ont simplement opté pour une vaporisation prophylactique. Vous considérez cette lettre comme le dernier avertissement. La prochaine enveloppe que vous recevrez sera de la part de nos avocats. En vous remerciant, pacificateur de peste. Ah, le pinard! Je me doutais que tu resterais debout toute la nuit. Je t'ai préparé un petit taka. Tu sais, je parie que même Rembrandt permettait à son génie de faire une pause et de ronfler comme nous autres. Pauvre mortel. Je sais, incroyable. En d'autres mots, va te coucher, gros bêta, je sais. Fait la boisson. Mature. Rosée dorée, ambre boulée, terre de sienne, pinceau x 25, des oreilles x 50, pomme 10 kg, alcool 30. Ok. Thank you.
À quel moment t'as le jumpscare de la tête qui sort Hello, there is someone? Une prothèse de jambe. Comment tu peux réussir à foirer la longueur? Ah, c'est une bonne question, monsieur Lame. Est-ce qu'en mettant l'eau chaude. Monsieur, je n'ai pas touché à l'atelier comme vous l'avez ordonné, même si je n'ose pas imaginer le désordre à l'intérieur. Aussi, si vraiment vous tenez autant à cette pièce, vous devriez faire plus attention ou vous laisser traîner les clés. Je les ai remises sur votre bureau. Comme j'aimerais pas habiter dans une baraque comme ça. Oui, bonjour. C'est ça qui m'est tombé. Désolé, je vais rattraper. Je vais me rattraper. Ce soir, ce sera juste toi et moi. Faisons quelque chose de spécial. Tu as promis. Mon cher ami, laisse-moi te poser une simple question. As-tu complètement perdu la boue? Je sais que tu traverses une période difficile en ce moment, vraiment. C'est pourquoi j'ai accepté de te laisser faire ces illustrations, en souvenir du bon vieux temps. J'ai même fait en sorte que tu te donnes une tâche triviale parce que je me disais le petit chaperon rouge était quelque chose que tu pourrais dessiner les yeux fermés. J'étais loin d'imaginer que tu soumettrais ce carburant à un cauchemar pour une histoire d'enfant. Aucune chance que je puisse l'utiliser. Et je regrette déjà d'avoir payé la boue. Combien de téléphonie qui est tombée là? Ah, c'est mieux que la lumière. Ah, mais c'est mieux. Voilà, la lumière, la lumière.
pas l'interrupteur là. Cache les lumières, c'est con. Ok. Tu trouves que je joue mal? J'ai travaillé toute la nuit, ne me réveille pas. Oh putain, elle m'a fait peur les poules. Les bouteilles m'ont fait, mais jump. Le visage de la musique. Une nuit à l'opéra devient une nuit mémorable. N'est peut-être pas encore connu, mais ce n'est qu'une question de temps. Cette nuit, l'incroyable et talentueuse instrumentiste a donné une super performance. Qui tombe tout seul. Pas cette fois. Ah bah la déco est sympa chez toi monsieur.
suis tellement fatigué de communiquer via des messages écrits que nous vivons dans la même maison, mais bon Dieu, viens me parler quand tu as terminé avant d'aller au lit. Quand c'est bien fermé au moins. Pas la même... Mais t'avais raison, fallait fermer de toute façon. Ça s'appelle sa femme sur son piano. Je pense que dans un accès de colère, il a dû la tuer. Non, on va laisser lumière. Madame, monsieur, nous vous prions fortement de baisser la voix pendant la nuit. Vos problèmes matériels et tout, mais que vos tables sont une affaire privée. Le voisin est très fatigué. Tournez en haut. Ouais, un peu là. Le jumpscare arrive. Ah. Oh. Quatre, huit, cinq. Ok. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Jamais. Tiens, il y a une porte, c'est cool. Ah, puis le truc habituel du fauteuil. J'ai jamais aimé. Ah, ça marche, tu ouvres. Ça s'arrête. Tu as fauché dans mon atelier, je le répète pour la dernière fois, tu n'as pas le droit d'entrer dans cette pièce, même si la porte est ouverte, je te l'interdis. Ce qui est bien, c'est qu'on se dit que le couple n'a pas de soucis. Sachez ce qu'il y avait dans l'atelier. Ils ont pas un truc qui s'appelle des lumières là? Non hein. Pas d'interrupteur dans les pièces.
Ah, bah ça. Monsieur, dame. Ok. Oui. Ah, je vais mettre aux parents. Aide d'un père à un enfant. Ça commence un peu à être James Care, hein. Le portrait. C'est une déco. Moi, je juge pas, c'est une déco. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ok, ils sont chelous vos tableaux. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Je sais pas si ça se mange là sur les boules. Ah putain. On peut lui balancer un truc à la gueule? Un verre. Ouais, ça, je trouverai, j'ai une clé. Et je passe de pièce en pièce. Ah, ça fait peur. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Ah, je crois qu'il faut revoir l'étanchéité, monsieur. Ah, la cuisine.
donc il faudra trouver un truc. Hein. Je m'y attendais. Il y a des trucs qui font flipper, mais il y a des trucs où c'est. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ok, moi je dis c'est sympa. Ok, donc chaque fois on va avoir des indices et on va devoir les mettre. Chaque fois je cherche un indice et après je les ai là.